direction générale de l'administration publique, Madame la ministre des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, ici représentées par son directeur de cabinet, Monsieur le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Monsieur le secrétaire général à l'administration des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Monsieur le secrétaire général aux affaires sociales, Monsieur le secrétaire général aux actions humanitaires, ici représenté par son collaborateur directeur, honorables députés, Excellences, Messieurs les évêques, révérends pasteurs, Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires, cadres supérieurs et agents de l'administration des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, distingués invités, tout protocole observé. Nous sommes réunis ce lundi 18 mars 2024 afin de procéder à la cérémonie d'installation de Monsieur le secrétaire général Kassanda Lobimbo François, matricule 787-043. Sans plus tarder, nous vous déroulons le canevas de notre cérémonie. La lecture de l'ordonnance ainsi que de la notification de Monsieur le secrétaire général. L'installation du secrétaire général en prend. La lecture du procès verbal d'installation par la supervision suivie de sa signature par le secrétaire général et l'équipe de supervision. Le mot de circonstance qui sera dit par le secrétaire général installé. Comme Madame la ministre est représentée, alors le mot de circonstance et de clôture sera dit par Monsieur le directeur de cabinet. Et après viendra l'hymne national de clôture. Les photos de famille entre le secrétaire général et l'équipe de supervision, ainsi que par les invités et tous les cadres ici représentés. Et après, nous aurons la fin de la cérémonie. Monsieur le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Monsieur le secrétaire général à l'administration des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, tous mes respects. Monsieur le secrétaire général de l'affaires sociales, Monsieur le secrétaire général de l'action humanitaire, ici représenté par le directeur, honorable député, excellence, Messieurs les évêques, révérend pasteur, mesdames et messieurs les hauts cadres, cadres supérieurs et agents d'administration des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, distingués invités à vos titres et qualités. Au nom de l'inspecteur général de l'administration publique, je voudrais, avant mon propos, souhaiter la bienvenue et adresser mes salutations à tous ceux qui ont répondu à notre invitation, particulièrement à Son Excellence, Madame la ministre des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, représentées par le directeur de cabinet. Nous saluons ensuite la présence de la chère épouse de Monsieur le secrétaire général qui doit être installé pour prendre part justement à cette cérémonie marquant l'installation officielle de Monsieur Kassanda Lumembo François, matricule 787-043. Nommé en qualité de secrétaire général par les dispositions de l'ordonnance numéro 23/183 17 septembre 2023 et ensuite notifié par la lettre numéro 2830/2023 28 septembre 2023 de son excellence Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration publique et innovation du service public.
au secrétaire général des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Son expérience professionnelle, ses connaissances, ses qualités humaines ont justement procuré beaucoup de satisfaction et un souffle nouveau sera imprimé dans cette jeune administration. À cette échelle, j'invite sans plus tarder Madame l'inspectrice adjointe qui m'accompagne à faire la lecture de l'ordonnance précitée et de la lettre de notification sous-visée, nommant et notifiant M. Cassandra Lomengo François en qualité de secrétaire général pour nous permettre de passer à la cérémonie de son installation officielle. Conformément à la réquisition de l'inspecteur général numéro 038/2024 du 16 mars 2024. Merci de votre attention. Merci, monsieur l'inspecteur général adjoint, du 7 septembre 2023, portant nomination d'un agent de carrière des services publics de l'État au grade et à la fonction de secrétaire général à l'administration de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 49, 69, 79, 81 et 221, vu la loi organique numéro 16/001 du 3 mai 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, spécialement en ses articles 2, 24 et 26, vu la loi organique numéro 22/003 du 3 mai 2022, portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap, spécialement en son article 4, vu la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016, portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, spécialement en ses articles 1er, 16, 17, 19, 72 et 74. Vu le décret loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État, spécialement en ses articles 1er et 3, vu l'ordonnance numéro 80-215 du 28 août 1980 portant création du ministère de la fonction publique, vu l'ordonnance numéro 82-029 du 19 mars 1982, portant règlement d'administration relatif à la carrière du personnel des services publics de l'État, vu l'ordonnance numéro 82-032 du 19 mars 1982, portant règlement d'administration relatif à la cotation et à l'avancement de grade du personnel de carrière du service public de l'État, vu l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ses articles 45 et 61.4, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er B4, vu l'ordonnance numéro 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres tels que modifiés et complétés par l'ordonnance numéro 23/030 du 23 mars 2023, considérant les objectifs de la réforme de l'administration publique, visant notamment la rationalisation des structures et services par la création d'une nouvelle administration chargée des personnes
à vivant avec handicap et autres personnes vulnérables dans le cadre de la protection et de la promotion de leurs droits par l'État. Vu le dossier administration de l'agent concerné, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne, article 1er, est nommé au grade et à la fonction de secrétaire général à l'administration de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, M. Kassanda Lumembo François, matricule 787-043. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 7 septembre 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samba, le Comte Kieng, Premier ministre. Nous vous lisons à présent la notification de Monsieur le Secrétaire Général. Transmis copie pour information. Numéro CAB VP-MIN/FP-LA-ISP/JPL/PBK/2830/2023. Transmis copie pour information à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus différents, Palais de la Nation à Kinshasa, son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma haute considération, hôtel du gouvernement, Madame la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Madame la secrétaire générale à la fonction publique chargée des actifs, tous à Kinshasa Gobe, à Monsieur Kassanda Lumembo François. Matricule 787-043 à Kinshasa Gombe. Monsieur, je me fais le devoir de vous notifier l'ordonnance numéro 23/183 du 7 septembre 2023 relatif à votre nomination en qualité de secrétaire général à l'administration des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables et vous présente mes très sincères félicitations. Je vous exhorte à accomplir vos fonctions avec dignité, loyauté et responsabilité, conformément au décret loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de ma parfaite considération. Jean-Pierre Liao et vous. Votre pouvoir. Un titre à vous tous, à vos titres et qualités. Ce n'est pas facile de parler à un moment, à une telle circonstance, parce que je ne pouvais pas m'attendre à ces instants. Sans les mots de gratitude et beaucoup plus de responsabilité. Ma gratitude va tout droit à l'endroit du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui m'a fait un honneur exceptionnel. Vous vous souviendrez que je suis bénéficiaire d'une ordonnance présidentielle unique. Ça n'arrive pas tous les jours. Je dis merci au vice-premier ministre
ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. J'ai cité Liao Eboué Jean-Pierre, qui a dû entériner et proposer ma candidature. Je dis grand merci à Son Excellence, Madame la ministre en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, celle que j'appelle affectueusement maman. Vous savez, enfanter une administration, enfanter un secrétaire général, les mamans savent ce que sont les douleurs d'enfantement. Et nous sommes le produit de son travail. Je dis merci. Je dis merci à toute l'administration publique qui m'a recueilli depuis que j'étais nouvelle unité jusqu'à atteindre aujourd'hui le sommet de l'administration. Je dis merci à vous tous qui avez accepté de venir m'honorer en ce jour. Vous avez laissé vos multiples occupations et vous avez accepté cette chaleur pour venir en ce lieu. Les mots ne suffiront jamais pour témoigner cette gratitude. Je disais que c'était les mots de gratitude et de responsabilité. Tout ce qu'il y a comme lourdeur, comme charge sur mes épaules. Car nous avons la responsabilité de valoriser la personne vivant avec handicap. Et c'est là, dans tous les domaines, dans tous les secteurs de notre pays. Voilà pourquoi je compte sur vous tous, sur toutes les institutions, sur tous les partenaires pour nous accompagner à atteindre ce grand défi ou à relever ce grand défi qui nous est ou qui s'élève au-devant de nous. Je peux encore me rappeler, alors que j'étais au cabinet du ministre de la fonction publique, il m'a dit, le DIRCAM me disait, François, tu dois ériger un monument. Le chef de l'État compte sur toi. Il faudrait que demain, que l'on dise que le chef de l'État avait raison. Voilà pourquoi je compte sur vous tous, pour que nous puissions ériger ce monument. Vraiment, comme je l'ai dit au départ, les mots sont difficiles. Un seul mot suffit. Merci. Merci. Il a nommé la personne avec handicap comme ministre en charge de ce ministère. À la personne de Madame Maître Irène Issaou Diaste, qui a reçu les instructions du chef de l'État pour se battre et prendre les dispositions nécessaires pour qu'on arrive à matérialiser sa vision. La vision du chef de l'État, c'est l'inclusion sociale et l'autonomisation des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables. En 2020, le chef de l'État a poursuivi sa démarche en promulguant la loi organique numéro 22/03 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits des personnes. Sous l'impulsion et la direction de Madame la ministre Irène Issaou Diaste, une mission a été conduite au Bakoko pendant une semaine pour l'élaboration des cadres et structures du secrétariat général des personnes avec handicap. Le chef de l'État
n'a pas hésité un seul instant, en date du 7 septembre 2023, de nommer M. Kassanda ici à mes côtés comme secrétaire général des personnes. Ça va tonyo so va accompagner kaba PVH côté na bino. Oui, parce que les camba ba PVH ils ont kaka pona ba PVH na ba onyon so va accompagner d'une certaine manière. Vraiment na pesi bino nyoso merci mingi. Merci parce que bondima kin koya mokolo na bino. Oyo, ezali mokolo ya installation officielle ya secrétaire général na bino. Na banzi biso ba PVH tolelaki mingi. Na mboko oyo personne vivant avec handicap azalaki na tina te. Kasi na bolingo oyo mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi azana mbopo na biso andimaki kokela ministère oyo ya ba personnes vivant avec handicap pe na bwanya oyo ministre na biso mama Irene Isambo Diata atiaki abundi tozwi secrétariat général. Pour être secrétariat général, l'endako oyo ekobanda kobota ba solution pona biso ba personne vivant avec handicap. Bongo, soki lobi tozanga ke esika ya boya kotuna, lelo tozwi esika ya boya pour être ba makambo nyonso eza ya biso elongo toye ba ndenge nini tokoki kozwa ba solution nango. Voilà pourquoi nasa ko invite ba oyo nyonso balingaka biso, ba oyo nyonso ba akompanyaka biso, ba oyo bakabolaka mpasi na biso, na biso moko tozala lisanga po ete mosapi moko esokolaka elongi te. Biso nyonso tozala lisanga kofanda te oloba ete nazotala nanu secrétaire général nasoka kosani makanisi oyo oza nango yaka na yango po ete soki yo ozeli ntango mosusu nga nazwi likanisi wana te omoni ke na yo nanga na bato nyonso tomoni pasi kasi soki likanisi na oyo ya kitoko wana oye na yango tosaleli yango na yo nanga na bandeko nyonso tozwi lobiko
ministère oyo eza ministère na biso ndenge toza pe na ba oyo ba accompagner na biso. Voilà pourquoi nous voulons vraiment l'inclusion na kati ya ministère na biso. Pour ceux qui ba oyo na bazali ko linga biso te biso to laksa ba ke biso toza na bolingo. Tokotambola longo tokosala elongo mosala ezali makasi. Oyebi ete esika oyo nanu eloko ezala te esengeli bobanda. C'est vrai que baposa eza makasi kasi ezosenga pe mosala ezala makasi. Yango naza kobeta sete mpona koloba ete kofanda te oloba natala ye te yaka loba ya SG nga na moni boye komelanga mokanda nimero na nga butu bato nyonso bayebi yango. Nayebi te soki eza na moto asa benganga ete nayambi ye te. Soki nayambi te ntango mosusu naza na limita kasi ata na nsima na ntango nayambaka. Secrétaire général ayambaka chaque mercredi et chaque vendredi eza mokolo ya audience oye oremplir audience na yo okokutana na secrétaire général topesa sango epai ya bandeko na biso bamonani te epai ya bapartenaire bayeba ete secrétariat général na biso ezali mpe eza kosala mosala eza na bosenga na biso nyonso. Vraiment merci mingi mpona bolingo botalisi mpona ngai mpe mpona ministère na bino mpe secrétariat général na bino. Merci merci merci. En tout cas c'est la première fois ezala na Congo donc souhait na biso tosepeli mingi epui tozopuye ye napesi mpe secrétaire général azala na mosala makasi ezali na bato ebele biso balbinos ebele mpe bapersone ape bandikap batali bamisusu tokomi ba aioo oyo ezali ba 50-55 ans me mosala ezali te ao batma soki batala ba aisoki basali batali ba ai bamisusu bakosala te. Donc, où est-ce que tu as parlé, à la fois, où est-ce que tu as parlé, à la fois, où est-ce que tu as parlé de famille, 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 où est-ce que tu as parlé de famille. La parole, biso ba personne qui va avec handicap, tozana esengo mingi, esengo ya makasi. Na lolenge président de la République azo kandisa biso makasi apesi biso ya liboso ministère bi apesi biso lisusu secrétariat général mama Irene pe merci makasi mpona ba effort na ye topesi ka nzambe merci mosala ekende liboso biso bahandicapé to se retrouvé susi na biso ya ngwana kimandisite elongwa na kati ya bandikape tokoma vraiment tozala capable ya moto na moto azwi mwa mosala akomi kose prendre en charge merci. Esengo eza makasi mpona président de république na biso akandisa biso ba effort na eza malamu nga naza musicien mpe artiste chanteur alors mpe na coiffeur mpe suki naza mpe coiffeur. Alors, on a sepeli mingi ndenge président de la République a kandisa biso ba inferne parce que ebele bamona biso tozala pamba mais pour le moment biso tozala pe na valeur na kati ya mboka mais il faut po soutenir biso na bakondisio toza na yango tosupara trop donc po soutenir biso tozala pe capable na kosala pe quand même mpe mosala oyo esengeli na sali mpe boko soutenir biso na nyonso nini esengeli merci vraiment napesi mbote ebele na représente de la République démocratique du Congo merci.